que as heranças desses sujeitos tiveram. Então, apesar de compor um grupo, né, de grandes mestres, como é conhecido esse título, é nítida a diferença da estrutura, do volume, principalmente da antiguidade do capital que esses sujeitos têm. E nesse sentido, é que eu vejo que a AGM seria uma lacuna aí a ser completada. Então, é isso. Obrigada. Ah, gente, talvez a gente possa tentar ser um pouquinho mais sintético para mais pessoas participarem. Bom, Rodrigo, do Programa da Graduação de Sociologia Política, eu faço uma questão bastante geral e que é justamente aquela que você pulou, que é a relação entre o Jay e a estatística, que é uma coisa que interessa bastante, que pelo que eu lhe conheço, imagino que você vai falar. Sou Cristine e eu gostaria de saber se o programa R tem algum grupo que esteja desenvolvendo essa metodologia no pacote do R. Mais alguém? Não? Tá. Eu acho que eu tenho uma pergunta também. Você disse, Frederic, se eu bem entendi, que construindo o espaço a partir dos dados sociais, você reencontra o espaço geográfico da Europa, né? Ou seja, as homologias entre o espaço social e o espaço geográfico. Minha pergunta então seria, você acha que também é possível, a partir dessa construção com os dados sociais, reencontrar o espaço político e, sobretudo, o espaço de política econômica? Né? Você falou um pouquinho sobre a deterioração da Grécia nesses anos. Eu queria, se possível, que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E uma segunda coisa, como a gente vê que as elipses elas são bem largas, né? Ou seja, tem uma dispersão de gente, de indivíduos aí dentro, não é possível e seria desejável, como próximo passo, tentar fazer o teste sobre uma ou duas categorias socioocupacionais, tipo sobre os administradores e sobre trabalhadores manuais, para ver o que, que fraciona indivíduos dentro da elipse, né? Quer dizer, o que, que joga indivíduos da mesma categoria socioocupacional num quadrante ou no outro do espaço construído por vocês a partir desses dados, ok? Merci beaucoup pour toutes ces questions, tout à fait pertinentes. Alors, à la première question, j'ai envie de répondre que oui, l'ACM, je pense, est sous-utilisée par les collègues qui ont des démarches qualitatives, alors qu'ils pourraient tout à fait s'en servir pour organiser leurs matériaux, même quand ils ont 20 individus, hein, c'est pas gênant. C'est un outil qu'il faut voir vraiment comme tel, un outil de visualisation de l'espace, de la distance, et je pense que ça suggérerait des hypothèses pour interpréter les entretiens, par exemple. Une autre chose que je n'ai pas évoquée, c'est l'utilisation des textes eux-mêmes comme matériaux. L'analyse des correspondances a été inventée par Benzekri pour traiter de données textuelles, ce qu'on a appelé la lexicométrie. La lexicométrie en France, c'est l'analyse, enfin, elle a beaucoup mobilisé l'analyse des données, notamment depuis Benzekri. Et jusqu'à aujourd'hui, on trouve des analyses factorielles, comme on dit, des analyses des correspondances, dans les revues de linguistique, de lexicométrie. Ce que les linguistes ne font pas, malheureusement, c'est projeter les propriétés sociales. Les sociolinguistes le font un peu, parce qu'ils ont en tête la variation, la notion de variation. Mais dans mon programme de recherche, il y a aussi cette idée d'utiliser ces outils pour opérationnaliser l'idée que la variabilité des discours, lexical, mais aussi syntaxique, mais aussi rhétorique, tout ce que vous voulez, dépend des variables sociologiques, qui sont, pour une part, les dispositions des individus, telles qu'on peut les objectiver, pour une part aussi contextuelles, bien sûr, liées au contexte d'interaction, etc. N'oublions jamais le contexte, bien sûr. Mais, voilà, je pense qu'on a tort d'opposer une démarche à base d'entretien d'un côté et utilisation de statistiques de l'autre. En fait, les deux peuvent être combinés de manière tout à fait heuristique, tout à fait riche, productrice, productive. Et je pense que c'est l'avenir, c'est-à-dire une utilisation décontractée de ces méthodes. Là, je vous ai montré un exemple
un peu légitimiste, puisque j'ai utilisé des données très officielles, 1 600 000 individus, voilà, c'est tout de suite un argument d'autorité par le nombre. J'ai 1 600 000 individus, donc là, vraiment, c'est robuste. J'ai pas besoin de faire de test. Inférence statistique, c'est plus la peine. Avec 1 600 000 individus, tout est significatif. Tous mes effets sont significatifs. Mais vous pouvez faire cette utilisation un peu différente, qui est plus proche de votre démarche qualitative, d'organiser vos données, construire un tableau, d'abord. Souvent, on le fait d'ailleurs. On le fait à la main, on le fait avec un tableur, des individus en ligne, et puis en colonne, des propriétés, des variables. En faire une analyse statistique, je trouve, c'est toujours intéressant. Ce que je n'ai pas montré ici, c'est qu'après l'analyse des correspondances, on peut aller aussi vers des méthodes de classification qui sont un complément, plus qu'une alternative, un complément aux méthodes d'analyse géométrique. Font partie, d'une certaine manière, de la palette des méthodes géométriques, les méthodes de classification. Nous, on utilise beaucoup la classification ascendante hiérarchique, mais il y a des dizaines de méthodes de classification. L'idée ici, c'est à partir des positions, des points, quels regroupements on peut faire, qui ne sont pas les regroupements par catégorie socio-économique, qui sont des regroupements inductifs. On est regroupé parce qu'on est proche dans l'espace multidimensionnel, dans le plan. En général, on prend l'espace multidimensionnel complet, et on regarde les individus, et on regroupe deux à deux les individus proches, puis ensuite les points proches. C'est ce qu'on appelle les méthodes de classification, ce que je n'ai pas du tout évoqué. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités, en fait, d'utiliser les outils de l'analyse géométrique pour la démarche qualitative, même avec de tout petits effectifs. Bien sûr, vous pouvez faire de l'inférence statistique si vos effets sont trop petits, et vous vous dites, ah, mais il va y avoir un statisticien qui va me dire, tu commentes un effet qui n'existe pas. On a le droit évidemment d'utiliser des outils plus classiques de type test. La relation entre Bourdieu et les statistiques, donc c'est l'objet effectivement d'un chapitre. J'évoque plusieurs choses, j'évoque à la fois la notion d'espace, l'élaboration de la notion de champ, donc l'aspect spatial, je laisse de côté, et son rapport à la statistique. Alors son rapport à la statistique commence quand, en Algérie, il côtoie des statisticiens de l'Institut National de la Statistique, des jeunes comme lui, Alain Darbel, Claude Sebel, quelques autres, qui font des enquêtes sur l'emploi pour l'État français, dans un contexte de guerre coloniale. Très particulier. Ils font des enquêtes sur l'emploi, mais en même temps, leur État est en guerre. Voilà, est en guerre contre ce qu'ils appellent les terroristes, hein, qui sont le FLN. Et Bourdieu coopère avec eux, et très vite voit les limites des opérations statistiques. Par exemple, il voit que la notion de chômage, elle est très problématique dans les régions les plus rurales, donc c'est une analyse qui est très connue, je pense, ici au Brésil. Cette notion, elle n'est pas opératoire, en fait, dans les conditions où il y a le plus de sous-emploi. C'est paradoxal, c'est là où il y a le plus de sous-emploi que, finalement, la catégorie de chômage n'émerge pas. Et donc, Bourdieu en tire tous les développements qu'il a pu faire sur la construction même des catégories statistiques qui ont beaucoup inspiré, par exemple, Alain Desrosières et toute une tradition de sociologie de la quantification. Donc, il y a tout ce versant-là. Et Bourdieu va enseigner dans l'école de statistique quand il sera revenu à Paris, en France. Il va enseigner à l'école de la statistique pendant des années et il va former des gens comme Desrosières, Thévenot, tout un ensemble de futurs sociologues et économistes et avoir un rôle assez important. Mais c'est vrai que les analyses quantitatives très présentes, très centrales dans les premiers livres, elles sont quand même beaucoup déléguées aux statisticiens officiels comme Alain Darbel, par exemple, qui travaille avec lui et qui est un peu son statisticien. Donc il y a toute une période où Bourdieu n'a finalement pas une totale autonomie statistique et s'en remet quand même aux professionnels, et en l'occurrence à Alain Darbel. Ça va durer quelques années, bon, Darbel meurt en 75, mais il se passe quelque chose, alors la datation est très problématique parce qu'on n'a pas beaucoup d'archives, on n'a pas vraiment fait le travail encore de fouiller dans les correspondances, dans les archives, mais Bourdieu va recruter un ingénieur qui s'appelle Salabueja, que Julien et moi-même connaissons très bien, travaillé avec lui, nous a formé un peu aussi, on peut dire, et qui était le statisticien de Bourdieu. Concret, j'allais dire, là où Darbel était un peu le chef statisticien, quoi. Il vérifiait la compatibilité, il vérifiait que les échantillons étaient corrects, enfin, il faisait les plans d'échantillonnage, voilà, c'était monsieur plan d'échantillonnage, Darbel. Salabueja, lui, c'est celui qui va amener les fiches perforées pour faire les analyses statistiques dans les grandes machines pour lesquelles c'est difficile, auxquelles c'est difficile d'accéder parce que il n'y a pas beaucoup de machines à l'époque, dans les années 60. Voilà. Et ça là, c'est celui qui va faire les analyses des correspondances de Bourdieu. Donc c'est un personnage clé de cette histoire. C'est Salabueja, qui
travailler avec Bourdieu, est-ce que ce qu'on sait par témoignage et par interaction, c'est que Bourdieu s'est toujours beaucoup intéressé aux résultats. C'est pas, il ne les prenait pas comme un output donné, qui avait un effet d'autorité, etc. Il regardait pourquoi les points étaient là. Et il voulait comprendre. Il entrait vraiment dans la méthode. Il n'avait pas forcément une formation mathématique poussée, mais il avait une incroyable intuition de la méthode géométrique. Ça, je pense que c'est un élément clé. Et dans pas mal de textes de Bourdieu, on sent cet esprit qui est proche de l'esprit des mathématiciens, en fait, mais très systématique, en fait, avec une forte exigence de cohérence. Même si il ne met pas à plat la formalisation, les équations, il a un style qui, au contraire, est plutôt phénoménologique, proustien, enfin, tout ce que vous voudrez, mais qui n'est pas celui des mathématiciens. Voilà. Mais il était proche quand même de l'opération statistique elle-même. Et ça jusqu'au bout. La dernière analyse, c'est l'analyse de 1999, une révolution conservatrice dans l'édition. Et là, il a travaillé avec Brigitte Leroux. Donc là, on a le témoignage direct de Brigitte qui dit, mais il était vraiment très motivé. En 99, c'est le Bourdieu qui, à ce moment-là, est reconnu internationalement, qui est une figure publique, qui est un intellectuel de référence, etc. etc. Mais témoignage, je pense qu'il n'était jamais aussi heureux quand il travaillait sur des données, dans un contexte collectif, à échanger, à façonner ses concepts, à réviser, à avancer dans la conceptualisation, mais à partir d'une analyse de matériaux. C'était vraiment... il aimait le matériau scientifique, quoi, le matériau sociologique, et y compris statistique. Et donc, même s'il n'était pas statisticien et que lui-même ne faisait pas tourner les programmes, il lisait les sorties et discutait pied à pied les résultats d'analyse des correspondances, et il a transmis ça dans son groupe, même si c'est vrai que le groupe n'a pas forcément développé beaucoup la compétence statistique. Ça a été, je dirais, pas le cœur de la spécialité autour de lui. Voilà pour la question de Bourdieu et les statistiques, avec, quand même, j'oublie peut-être le plus important, c'est que la statistique dans les années 60, ça vient des États-Unis, c'est Lazarsfeld, et Bourdieu dit, a une position ambivalente au fond, c'est-à-dire il faut s'approprier les méthodes, mais il ne faut pas, comme on dit en français, faire des courbettes aux Américains, voilà, il ne faut pas se prosterner devant eux. Il faut chercher leurs méthodes, prendre leurs méthodes, les utiliser, aller le plus loin possible avec les méthodes, les comprendre, les utiliser. Il ne faut pas les rejeter. Si on veut les critiquer, il faut le faire de manière fondée, pas a priori. Mais en même temps, il se défiait d'une utilisation positiviste, qui est d'ailleurs un peu une des cibles du métier de sociologue, quand même. Des grandes cibles du métier de sociologue, c'est ça. C'est l'utilisation routinisée de... Alors le pire pour lui, je crois, c'était les enquêtes sur les élites, quoi. Avec des élites autoproclamées et des statistiques très pauvres, où on perdait finalement la richesse et, je pense, le contact avec le matériau qualitatif, le matériau discursif, qui le rendait... Enfin, ça ne l'intéressait pas, quoi, quand on perdait ça. Voilà. Et je pense que, de ce point de vue, il avait une affinité vraiment forte avec ces méthodes-là, où on peut voir les individus, enfin, on ne perd pas complètement le... C'est d'ailleurs pas un hasard, si dans ces analyses statistiques les plus connues, je pense au patronat, je pense aussi à Homo Academicus, il y a les noms des individus. Les noms des individus dans les nuages d'individus. Il met les noms. Il veut les voir. Comme on fait aussi en analyse de réseau, au même moment et par la suite. C'est assez proche. Ça plaît aux sociologues. Et je dirais que... d'ailleurs, vous savez, dans Homo Academicus, Bourdieu met les noms, mais dans la version anglaise. Il ne les met pas dans la version française, il met que les initiales. Donc Bourdieu et Foucault sont dans l'analyse. Ça a été très peu commenté, d'ailleurs. Ça. Ils sont présents dans le graphique. De Homo Academicus. Voilà pour la relation avec les statistiques. Sur R, oui, il y a plusieurs packages, je les ai cités ici en fait. Factominer, le plus proche de l'esprit de l'analyse géométrique, c'est Factominer, parce que Factominer, c'est disons l'école de Rennes, où est passé aux Belles Écrits. Il a été d'abord prof à Rennes de maths. C'est là que Brigitte Escoffier et Brigitte Leroux ont été formés dans un premier temps. C'était à Rennes, c'était des étudiantes de maths de Belles Écrits à Rennes. Et donc il y a encore une petite tradition qui est plutôt liée à l'école d'agro, etc. Et un peu à l'ENSAI. Mais qui n'est pas sociologique en fait, c'est assez marrant ça. Leurs données ne sont pas forcément des données sociologiques. Vous avez des collègues qui sont très bons en analyse géométrie, mais qui travaillent que sur des données environnementales, des choses comme ça. Mais il y a un package qui s'appelle Factominer, que vous pouvez utiliser. Je crois qu'on l'utilise surtout avec R Commander, mais il y a plusieurs... d'autres packages de R qui vous permettent de l'utiliser et qui est très, très convivial, hein, menu déroulant. Vous n'avez pas à écrire des lignes de code au
auxquels vous avez l'impression de rien comprendre et qui vous prennent beaucoup de temps. Si vous aimez écrire des lignes de code, R, vous pouvez tout faire. Hein. Mais c'est vrai que ça prend plus de temps et c'est pas très facile, quoi, pour les utilisateurs, en tout cas en sciences sociales. Voilà. Pour la question de l'espace géographique, l'espace politique, bah oui, évidemment, enfin, je pense que c'est une des analyses les plus originales de Bourdieu dans le champ politique, c'est d'avoir dit, mais l'espace social, c'est aussi l'espace politique. L'opposition gauche-droite, bah, y a une opposition sur l'axe de volume, entre les démunis et les dominants, mais il y a aussi une opposition entre les fractions culturelles et les fractions économiques. Et donc, l'espace politique, au fond, on le retrouve là. Et même dans ces mouvements, c'est-à-dire... ben on le voit d'ailleurs avec un article qui actualise un peu, qui discute de manière un peu critique cette idée que l'espace social et l'espace politique sont très liés, qui est l'article de Nona Meyer et quelques autres collègues dans le livre coordonné par Julien Duval sur les 30 ans de la distinction. Et on voit bien que ça marche quand même encore assez bien, c'est-à-dire que cet espace est très prédictif. Ici, par exemple, je n'ai pas évidemment projeté dans mon espace pour l'instant de variables agrégées sur les pays ou sur les régions. Que je peux faire, hein, puisque j'ai des données par région, pas seulement par pays. Donc l'espace géographique, je peux descendre à un niveau plus fin, au niveau de la région. Vous avez beaucoup de points, je ne vous l'ai pas montré, parce que c'est beaucoup, beaucoup de points. Mais 100, je ne sais plus combien, 130 régions, enfin, il y en a beaucoup. C'est des régions, il y a une nomenclature standard des régions, si vous voulez, au niveau de l'Union européenne. Les régions sont un instrument de politique publique. Et ce que je pourrais faire, c'est regarder les taux d'abstention. Les taux d'abstention sont clairement très très élevés du côté droit, hein, de l'espace social. C'est-à-dire qu'on retrouve cette loi qu'on trouve dans chacun des pays et que s'abstiennent plus les individus plus démunis, les catégories populaires, etc. Alors, en particulier aux élections européennes. C'est des élections auxquelles ne participent pas les classes populaires. Et plus on se situe au pôle dominé de l'espace social européen, et moins les individus participent aux élections. Ce qui assure la reproduction globale du système politique. Malgré ça, il y a des chocs, effectivement, le choc grec. Et là, on voit que c'est plutôt le déclassement d'un pays qui va avoir pour effet l'arrivée d'un gouvernement de gauche radicale. Mais qui, au bout de quelques mois, et ça c'est une autre partie de ma vie scientifique, je travaille aussi là-dessus, au bout de quelques mois, va faire la politique que lui demandent les institutions européennes et va, en gros, perpétuer la politique d'austérité. Donc les changements politiques sont limités dans un contexte de très forte stabilité, très forte stabilité institutionnelle et un espace social qui est lui-même assez stable, en fait. Il n'y a pas tant de mouvements que ça. Et où les mouvements migratoires, par exemple, on le voit bien, aujourd'hui sont plutôt une source de tension et de crise de cet espace social. Et pourtant, ils ne sont pas très importants, les mouvements migratoires. Alors, il y a eu évidemment le flux de réfugiés en Allemagne, mais globalement, le niveau global de l'immigration dans l'Union européenne aujourd'hui est faible. Mais dans un contexte de crise sociale larvée depuis 2008-2009, et cette crise on la voit ici, c'est-à-dire que l'espace social est figé en quelque sorte, les gens sont en quelque sorte piégés, coincés dans leur situation de pauvreté, de précarité, les flux migratoires sont une sorte de dérivatif et conduisent à la montée des partis d'extrême droite, des partis populistes, jusqu'où on ne sait pas, mais c'est vrai que ça va de plus en plus loin et de plus en plus vite, on l'a vu avec l'Italie. Là, l'Italie a pratiquement basculé, hein, et c'est un événement qui est peu commenté d'ailleurs, hein, mais puisque s'annonce un gouvernement qui sera un gouvernement entre l'extrême droite et le mouvement 5 étoiles. Hein. C'est, la situation en Italie, vraiment au niveau politique, est vraiment critique de ce point de vue. Il y aurait beaucoup à dire sur la question de l'espace politique. Ça nous conduirait à analyser la complexité de l'espace politique européen et des espaces nationaux. Je ne peux pas aller loin vers ça, mais avec ce type de schéma, je pense qu'on peut, dans un deuxième temps, une fois qu'on a construit un espace dont on est assez satisfait, projeter plein de choses, en fait, voir dans quelle mesure ça éclaire dans cette structure de l'espace social. C'est quand même une façon de représenter nos sociétés un peu plus intelligente qu'une pyramide ou l'idée qu'il y a une petite oligarchie tout en haut, puis tous les autres en bas, enfin, qui sont pas très opératoires et qui sont pas très réalistes. On voit bien ici qu'on a une vision un peu plus réaliste quand même de la structure sociale. Je pense que c'est ça aussi la grande force du schéma de Bourdieu, d'ailleurs. Déjà, c'est lui qui a eu l'idée, l'espace social est au moins bidimensionnel. Il est plus que ça, mais il est déjà bidimensionnel. Sortons déjà de la vision purement unidimensionnelle. Pour moi, c'était à la fois pas grand-chose et en même temps une forte rupture épistémologique.
Sur les ellipses, oui, je n'ai pas utilisé l'indice statistique qui est classique en analyse de variance, c'est l'analyse de variance hein, qu'on fait là, qui s'appelle état 2, qui montre que même s'il y a de la variabilité intra, il y a quand même une forte variance interne. Donc il y a quand même des écarts notables entre les points moyens. Donc on peut quand même je pense que le sociologue a envie d'abord de commenter les écarts forts entre les points moyens, puis après d'essayer de comprendre la variabilité interindividuelle dans les groupes. Et de voir dans quelle mesure, et c'est ce qu'on appelle l'analyse des données structurées, elle est liée à d'autres variables. C'est-à-dire, si vous regardez par exemple le nuage des managers, vous regardez dedans les pays, et vous vous rendez compte qu'à l'intérieur du nuage des managers, vous retrouvez la structure des pays. C'est-à-dire que vous avez des managers dominants qui sont dans les pays dominants, et puis vous avez des petits managers dominés, et qui ont souvent des caractéristiques qui font qu'ils sont plus à droite dans le schéma, c'est-à-dire ils ont moins de capital globalement. Voilà, tout est stratifié au fond. C'est ça aussi que nous disent ces méthodes. C'est des méthodes qui visualisent les différences. Et il me semble qu'une des idées de base de la sociologie, c'est ça le monde social. C'est des différences qui soit s'accentuent, soit se résorbent, mais c'est quand même le point de départ. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses communes, bien sûr. Des langues communes dans les pays. Enfin voilà, il y a tout un tas d'éléments communs, bien sûr, que ces outils ne montrent pas forcément. C'est une autre question. Mais voilà. Alors c'est une question qui est discutée à propos de la culture, parce que là on retrouve le débat qui a été évoqué tout à l'heure sur l'omnivorité, etc. Alors les omnivores, c'est quand même très difficile de les trouver hein, empiriquement dans les espaces. On n'arrive pas à les trouver en fait. Hein. C'est l'un des résultats des débats dans Poetics. C'est-à-dire que l'omnivore Peterson, ça a eu beaucoup de succès, mais c'était en fait une réponse américaine à Bourdieu. Mais les travaux empiriques montrent qu'il n'y a pas vraiment d'omnivore. Enfin, l'omnivorité, c'est pas... L'éclectisme, il n'est pas si important, il n'est pas si fort. Quoi. Alors que la hiérarchie culturelle reste quand même très présente. Donc, de ce point de vue, le débat, il me semble, a quand même plutôt tourné en faveur de Bourdieu. Mais là, j'assume complètement mon parti pris. Hein. Tout à l'heure, vous avez dit, j'ai peut-être un biais, etc. Bon, moi, j'ai complètement un biais, ça, c'est sûr. Voilà. Moi, j'étais parti là-dessus. Ouais, c'était sur... Oui, parce que je voulais parler de l'AIR. Parce que lui, l'AIR nous dit « Ah, mais attention, la variabilité interindividuelle est très importante. » Mais oui, d'accord, mais elle est aussi structurée socialement. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça ne suffit pas de dire « Il y a de la variabilité interindividuelle une fois qu'on a tenu compte de la variance inter. » Parce que, bien sûr, mais elle est aussi structurée socialement. Voilà, je le disais tout à l'heure pour les managers, elle va être structurée par la variable pays, par tout un ensemble d'autres variables. Et donc ces méthodes permettent aussi de garder, de raison garder, et de dire que ce n'est pas de la variabilité interindividuelle pure, qui est liée à quoi d'ailleurs, enfin au choix individuel. L'AIR ne dit pas ça d'ailleurs, il dit à des socialisations complexes, le fait qu'on est multiple, qu'on n'est pas unifié, on n'est pas cohérent, ça, sans doute. Mais au moins là, on a des éléments qui permettent de dire, bah, d'accord, mais on est structuré comment? Enfin, il me semble que la science est du côté de chercher des structures, quoi, et pas de dire on n'est pas structuré. Ça ne fait pas beaucoup avancer. Voilà. Bon, là, je suis très polémique. C'est parce qu'il est tard. Non, c'est pas très polémique. Bon, então, nós agradecemos ao professor Frederic, todos presentes, e amanhã tem mais. Ok? Boa noite.